En recevant la caméra d'or à Cannes, la réalisatrice Ouda Benhamia dit « Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi, on est là, c'est possible ». C'est possible, c'est ça le message. C'est tellement un message d'espoir. Je trouve que c'est ce qu'on disait, on arrivait à Cannes, on avait comme un handicap entre guillemets. Parce qu'on n'est pas connu. On est un premier film. Moi, je pensais pas, honnêtement, même si je savais qu'on allait travailler dur et qu'on avait notre chance, je savais pas qu'on allait nous donner vraiment. C'est, on était sous les projecteurs et je pensais pas. Et ça a été une très très belle surprise. C'est, quand je pense qu'elle disait Cannes est à nous, elle ne se l'accapare absolument pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sacralisé autour du Festival de Cannes. C'est réputé comme quelque chose étant absolument réservé à une élite, entre guillemets. Et c'est pour ça que je suis hyper contente que je trouve que le Festival de Cannes, en nous choisissant et en nous exposant ainsi, c'est malheureux de dire ça en 2016, mais c'est une audace. Ouais. C'est un film audacieux qui ne répond pas aux certains codes. Les codes classiques du cinéma, par exemple, un casting intégralement masculin Alors c'est étonnant, c'est masculin et caucasien, non. Il y a quand même des hommes, et il y a quand même des blancs, des caucasiens. Mais c'est pas un film contre l'homme. Hein.